Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la 11e journée de notre voyage au Tibet. Nous sommes enfin arrivés au camp de l'Everest, soit camp de Zhonglangma. Derrière moi vous pouvez voir le monastère Zhongbu. C'est le monastère le plus élevé du monde et il culmine à près de 5000 mètres d'altitude. Allez pour la visite, c'est parti. Je viens d'arriver et j'ai vraiment de la chance parce que ce moine a accepté notre interview. Il m'a indiqué que le monastère Zhongbu a été établi en 1901. Les caractères Zhong et Bu signifient lieu le plus profond du monde. Il vit ici depuis 35 ans, ici sans oraux, parce qu'il adore la tranquillité de cette vie. Alors maintenant, je me trouve dans l'enceinte du monastère et j'ai enfin retrouvé mon camarade. Ça va Manuel? Ça va très bien, bonjour à tous. Dis, ça te surprend de trouver un monastère dans un tel endroit? Oui et non, j'imagine que la vie doit être extrêmement difficile pour les moines et les nonnes compte tenu du climat et de l'isolement. D'un autre côté, c'est aussi l'isolement que les communautés religieuses recherchent depuis la nuit des temps pour se consacrer à la spiritualité, la méditation. Donc c'est assez logique en fait. Je crois que je rencontre des gens qui sont très fervents, très sincères au niveau de leur religion. Imaginez une vie pendant 35 ans, tous les jours on fait la même chose. Ce n'est vraiment pas facile pour les gens ordinaires. C'est la fin de cette visite. Alors Manu, qu'est-ce que la vie de ces moines t'inspire ? Bien, mélange d'émotions et de sensations, mais avant tout du respect. Je crois que c'est tellement difficile de vivre ici compte tenu de la rudesse du climat. Je les voyais ce matin à 6h en plein vent à 0 degré en train de faire la lessive. Et on est en plein été, alors imaginez l'hiver. Je crois que j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Après, est-ce que c'est un choix que je ferais? Probablement pas. Ouais, c'est quand même un choix difficile. Bon bref, allez, suivez-nous. À la prochaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.